All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Les interprètes signalent, pour que cela figure au compte-rendu, qu'ils n'ont pas reçu le résumé de l'arrêt dont il est donné lecture, ou ils ne l'ont reçu que quelques minutes à peine avant le début de l'audience. Ils feront donc une traduction à vue, tout à fait impromptue. In the case of the prosecutor versus Saif al-Islam Gaddafi, case reference ICC 01110111, and for the record, we are in open session. Thank you very much. Merci beaucoup. Maintenant, pourriez-vous avoir les présentations, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, la défense. Bonjour, Monsieur le Président. Le conseil principal, malheureusement, ne pourra pas être avec nous. Il présente ses excuses. Monsieur Kadhafi est donc représenté par Khaled Al-Zaidi, Camilla Sonetti, et je suis Aiden Ellis. Ainsi, il y a aussi Kamin Mansour. Merci beaucoup. Maintenant, l'accusation, s'il vous plaît. L'accusation, bonjour. L'accusation est représentée aujourd'hui par moi-même, Helen Brady. Et je suis accompagnée de Madame Mary Stelrege, de Alison Whitford. Derrière moi, Monsieur Julian Nichols, Nevada Thirou et notre commis aux affaires, Biljana Popova. Merci. Le Président, merci. Madame Macieda, bonjour. Les victimes sont représentées par l'OPCV. Et en prétoire, nous avons Madame Maître Sarah Pellet, Maître Anne Grobowski et je suis Maître Paulina Macieda. Le Président, merci. Bonjour, Monsieur le Président, merci. Les avocats pour la justice en Libye sont représentés par Alexandra Vincente pour Redress et Nada Kiswamon von Hoydonk pour Lawyers for Justice in Libya. Le Président, merci beaucoup. Donc, je vois que les représentants du gouvernement de la Libye ne sont pas avec nous. I understand there's an appearance to be made. Le président, apparemment, il reste une partie qui doit encore se présenter ou un participant. Je suis Amar Abdussalam. Je représente le Conseil suprême des villes et des tribus libyennes. Merci. Thank you very much. Le Président, bonjour et merci. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre l'arrêt de la Chambre d'appel en l'appel de M. Saif al-Islam Gaddafi contre la décision de la Chambre préliminaire 1 en date du 5 avril 2019 et qui a pour titre, et je cite, « Décision sur la contestation de la recevabilité déposée par M. Saif al-Islam Gaddafi en application des articles 17.1c, 19 et 20.3 du statut de Rome. » Ceci est un résumé de l'arrêt. Comme toujours, il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit ici qu'un résumé de l'arrêt, communiqué sous une forme et dans des termes qui sont plus accessibles au grand public. En conséquence, la forme et les termes utilisés dans le résumé sont souvent différents de la forme et des termes utilisés dans l'arrêt en tant que tel. Pour cette raison, entre autres, ce résumé ne fait pas foi. Seul le texte de l'arrêt fait foi. Celui-ci
sera disponible sur le site de la Cour peu après cette audience. Le 26 février, se corrige l'interprète, 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renvoyé au procureur de la CPI la situation en Libye à partir du 15 février 2011. À la suite de ce renvoi, la Chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt contre M. Saïf al-Islam Gaddafi le 27 juin 2011 pour les crimes de meurtre et de persécution comme crimes contre l'humanité. Les allégations ont trait à des attaques qui auraient eu lieu, menées par les forces de sécurité libyennes contre la population civile participant à des manifestations à l'encontre du régime de M. Saïf al-Islam Gaddafi et son père, Muammar Gaddafi, et contre ceux perçus comme étant dissidents de ce régime. Ces attaques auraient eu lieu pendant la période allant du 15 février 2011 au 28 février 2011 au moins. M. Saïf al-Islam Gaddafi, que nous appellerons à partir de là M. Gaddafi, serait pénalement responsable comme complice de la commission des crimes visés dans le mandat d'arrêt. Pour des raisons telles que son rôle de haut commandement dans l'appareil de l'État libyen, et pour avoir fait partie du cercle rapproché de son père et de son régime. Le 4 juillet 2011, le greffier a déposé une requête auprès de la Libye aux fins d'arrestation de M. Gaddafi et de son transfert à la Cour. Quelques 4 mois plus tard, dans une lettre en date du 23 novembre 2011, le Conseil national transitionnel de Libye a confirmé que M. Gaddafi avait été arrêté en Libye environ 4 jours plus tôt, le 19 novembre 2011. Cependant, M. Gaddafi n'a pas été remis à la CPI tel que le greffier l'avait demandé. Les autorités libyennes de Libye, au contraire, ont contesté la recevabilité de l'affaire devant la CPI. Il faut rappeler qu'une contestation de recevabilité consiste à déposer une objection disant que le statut de Rome ne permet pas à la CPI de se charger de l'affaire en question. En l'espèce, la contestation de recevabilité de la Libye se fondait sur les motifs suivants. La Libye, les autorités pertinentes en Libye s'occupaient déjà de l'affaire. En conséquence de la doctrine essentielle de complémentarité de la CPI, celle-ci étant une condition de l'exercice de la compétence au titre du statut de Rome, exigeait que la CPI renvoie l'affaire devant la Libye. Or, le procès-verbal de ces procédures met en lumière que M. Gaddafi préférait que l'on écarte cette question de recevabilité et être jugé à la CPI plutôt qu'en Libye. Au cours de l'audience de cet appel en particulier, des conseils différents de celui qui avait défendu M. Gaddafi précédemment étaient présents sur l'instruction de M. Gaddafi. Le 31 mai 2013, la Chambre préliminaire a rejeté cette contestation de recevabilité. Cette décision a ensuite été confirmée par la Chambre d'appel le 21 mai 2014. Malgré tout, M. Gaddafi n'a toujours pas été transféré à la CPI. Entre-temps, des procédures pénales étaient menées à son encontre en Libye. Environ 5 années plus tard, le 6 juin 2018, M. Gaddafi a déposé une contestation
lui-même de la recevabilité de cette affaire devant la CPI. Il estimait en effet que, à partir de cette date, il avait déjà été jugé, condamné et qu'il avait déjà été jugé, accusé et condamné par une cour libyenne siégeant à Tripoli pour à peu près le même comportement que celui devant la CPI. Ceci dit, le statut de Rome interdit qu'il y ait un nouveau procès. Il défendait de plus qu'il avait déjà fait l'objet d'une amnistie de la part des autorités libyennes sur la base d'une législation libyenne adoptée en 2015 et que l'on appelle la loi numéro 6, et que pour cette raison, il avait été libéré de prison le 12 avril 2016 ou aux environs de cette date. Il faisait valoir que la CPI devait respecter cette amnistie. Le 5 avril 2019, la Chambre préliminaire a rejeté cette contestation en recevabilité de M. Kadhafi. C'est cette décision qui fait l'objet du présent appel. L'appel de M. Kadhafi s'appuyait sur deux moyens. Dans le premier moyen, il était argué que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en droit en décidant que les dispositions du statut de Rome qui interdisent à quelqu'un d'être poursuivi à la CPI si cette personne a déjà fait l'objet de poursuites ailleurs ne peut s'appliquer que si le jugement précédent est effectivement définitif aux yeux du droit. Cette question est importante pour deux raisons. Premièrement, parce que la question se pose de savoir si le procès de M. Kadhafi en Libye a eu lieu en son absence. Si tel est le cas, le droit libyen, tel qu'il nous l'a été présenté, demande qu'une personne jugée in absentia a le droit à un nouveau procès, que celui-ci comparaisse ou non dans le système national judiciaire. S'il était vrai que M. Kadhafi avait été jugé en son absence et que ce procès pouvait être refait ultérieurement, cela signifie que le jugement dans ce premier procès n'était qu'un jugement à titre provisoire et non pas un jugement définitif. Deuxième considération. La pénalité qui lui a été imposée à la conclusion de ce procès en Libye a été la peine de mort. En droit libyen, tel qu'il nous l'a été présenté, tous les jugements conduisant à la peine de mort doivent faire l'objet d'un réexamen devant la Cour de cassation. C'est la Cour de dernier recours en matière pénale. Ce n'a pas été le cas pour M. Kadhafi. Et c'est une nouvelle raison pour considérer que le jugement de la Cour libyenne est un jugement provisoire et non pas définitif. En les circonstances, la Chambre préliminaire a considéré que le procès de M. Kadhafi en Libye n'était pas définitif, pour les deux raisons que j'ai évoquées plus haut. Premièrement, que M. Kadhafi a été jugé en son absence, c'est-à-dire que son procès pourrait devoir être refait à l'avenir. Et deuxièmement, que sa condamnation à la peine de mort n'a pas fait l'objet d'un réexamen par la Cour de cassation. Le résumé de la décision de la Chambre préliminaire est le suivant. Tant qu'un jugement en Libye n'est pas définitif pour l'une ou les deux raisons évoquées ci-dessous, l'affaire de M. Kadhafi peut toujours être poursuivie à la CPI. Donc, l'affaire n'est pas non recevable, et j'utilise là une double négation. Par conséquent, la contestation en recevabilité de M. Kadhafi est écartée. Les conseils de M. Kadhafi ont fait valoir que la Chambre préliminaire s'était trompée. D'après le conseil, ce type de caractère définitif n'est pas nécessaire pour le jugement précédent et donc un jugement subséquent ne peut pas être autorisé à la CPI. D'après eux, il suffit que le premier procès national
précédent, même si c'est au niveau du première instance, est conclu sur le fond. Pour des raisons qui sont explicitées dans le jugement écrit, dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel rejette les arguments présentés par M. Kadhafi en ce qui concerne ce moyen d'appel. La Chambre d'appel fait remarquer que la Chambre préliminaire n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a considéré que le jugement précédent doit être un jugement à caractère définitif avant de pouvoir empêcher tout procès ultérieur à la CPI sur au motif que l'affaire a déjà été jugée ailleurs. Les raisons de cette décision de la Chambre d'appel comprennent cette considération, mais pas uniquement celle-là. La juridiction de la CPI est une juridiction complémentaire. Dans le cas où l'affaire précédente n'a pas été jugée en toute sincérité. Mais il est de bonne pratique de se réfréner d'exprimer des doutes à propos de la sincérité de procès au niveau national avant de savoir comment le système fonctionne dans sa totalité. Il se pourrait que le processus d'appel, par exemple, dans le système national, puisse corriger les erreurs qui ont été commises aux premières instances. Des erreurs qui auraient pu éventuellement soulever des inquiétudes à propos de la sincérité du procès en première instance. Et à l'inverse, on peut aussi penser qu'il y a un manque de sincérité du processus judiciaire au niveau des appels qui, donc... considère que le jugement de première instance a été bel et bien mené avec toute sincérité. Dans ces circonstances, il est donc important de demander un jugement à caractère définitif pour les procès nationaux avant de décider si l'on peut empêcher que cette affaire soit rejugée ici à la CPI. Au titre du deuxième moyen d'appel de M. Kadhafi, il est fait valoir que même si... il fallait que le procès national soit de nature définitive en Libye. Cette finalité, de toute façon, a été obtenue en ce qui concerne ce qui s'est passé en Libye. Comme il a été présenté, c'est parce que la loi numéro 6 lui a accordé l'amnistie. En accordant cette amnistie, le procès libyen est devenu définitif et il a été... les conseils ont présenté le fait que la chambre préliminaire s'était trompée en ne considérant pas les choses de la façon suivante. Mais il faut quand même remarquer que la chambre préliminaire avait considéré et avait conclu que la loi numéro 6 ne s'appliquait pas à M. Kadhafi. Et sur cet appel, M. Kadhafi a soulevé plusieurs arguments concernant de nature très technique pour contester les conclusions de la chambre préliminaire. Ayant pris en compte ces arguments, la chambre d'appel n'est toujours pas convaincue que la chambre préliminaire aurait commis une erreur. La chambre d'appel a raisonné et de la façon suivante, entre autres. Le conseil de M. Kadhafi fait valoir que la chambre préliminaire s'est trompée lorsqu'elle a trouvé qu'il avait été accusé de crimes qui étaient en fait des crimes qui étaient des meurtres fondés sur l'identité de personnes, qui sont exclus de l'amnistie. Son conseil a présenté des arguments pour dire que le terme « meurtre fondé sur l'identité des personnes » devait être interprété d'une autre façon. Mais le conseil n'a fourni aucune source de droit libyen pour étayer son interprétation qui serait en contradiction avec la façon dont la chambre préliminaire a compris ce terme. La chambre d'appel fait aussi remarquer que la chambre préliminaire a déclaré que ces conclusions étaient parfaitement en harmonie avec la position du gouvernement libyen qui était que la loi numéro 6 ne s'appliquerait pas à M. Kadhafi. De plus, en ce qui concerne ce point, il n'y a aucune information aucune information concrète qui montre semblerait dire que M. Kadhafi s'était bel et bien excusé comme ce qui est demandé au titre de la loi numéro 6 si l'on veut bénéficier de l'amnistie. De plus, il n'y a aucune information qui semblerait montrer que M. Kadhafi ait fait amende honorable ou ait promis de ne jamais recommencer. Il n'y a aucune information qui montrerait que M. Kadhafi ait fait le moindre effort pour se réconcilier avec les victimes. Et il semble pourtant que ce soit des conditions absolument nécessaires pour que l'amnistie puisse être accordée à qui que ce soit d'après l'article numéro 2 de la loi numéro 6. En
dans le cadre de son argument selon lequel il aurait profité de cette amnistie au titre de la loi numéro 6, on a fait valoir que la libération de M. Kadhafi était justement la preuve qu'il avait été amnistié. Mais la Chambre d'appel ne trouve qu'il n'y a aucune clarté qui expliquerait comment M. Kadhafi a été libéré de prison. On ne peut pas le voir dans les informations ou dans les écritures qui ont été présentées à la Chambre d'appel. Nous faisons remarquer d'ailleurs qu'il n'y a aucun élément de preuve selon laquelle une décision raisonnée venant d'une autorité judiciaire compétente certifierait qu'il puisse profiter de cette amnistie. D'après l'article numéro 6 de la loi numéro 6, cette décision écrite semble être une exigence de la loi numéro 6 au but de pouvoir profiter de l'amnistie. Vous pouvez remarquer d'ailleurs quand même qu'à l'époque, la Libye était un pays qui vivait de grandes difficultés, qui était en pleine transition et un grand nombre de factions armées contrôlaient différentes parties du pays. Donc on peut accepter qu'il y ait eu un certain niveau de confusion. Mais il est notable, il faut remarquer néanmoins que les autorités libyennes ont répété à l'envi, compris peu devant la chambre d'appel ici, que la loi numéro 6 ne s'appliquait pas à M. Kadhafi. Et qui ne sont absolument pas ambiguës du gouvernement libyen de l'époque. Et donc la chambre d'appel conclut que la chambre préliminaire n'a pas fait d'erreur lorsqu'elle a considéré que l'affaire contre M. Kadhafi n'est pas irrecevable ici à la CPI. Donc la chambre d'appel rejette à l'unanimité l'appel interjeté par M. Kadhafi et confirme la décision prise par la chambre préliminaire. Et nous en arrivons maintenant à la fin de ce résumé de l'arrêt de la chambre d'appel. Nous répétons une fois de plus que ce résumé n'est pas un document qui fait foi. Il n'est là que pour transmettre l'esprit de cet arrêt de la Chambre. Et le texte qui fait foi sera contenu dans le jugement écrit qui sera déposé après cette audience. Moi-même, donc le juge Eboué Osoudji et la juge Bossa vont ajouter ensemble une opinion séparée concordante sur cet arrêt. Et la juge Ibanez Carranza, elle aussi, déposera sa propre opinion concordante mais séparée et qui porte sur les sujets des amnisties au titre du droit international. De voir comment l'amnistie peut interagir avec le régime des amnisties. Et ces opinions séparées ont pour but de permettre aux juges concernés d'exprimer leur opinion sur des sujets qu'ils jugent intéressants et valables, mais bien sûr, elles ne réduisent en rien l'unanimité atteinte dans cet arrêt par l'ensemble des juges. Et je remercie maintenant tous les fonctionnaires de la Cour qui nous ont permis d'organiser cette audience. Merci.